Bonjour à tous, vous êtes avec Johan de chez GH Agency. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'email marketing, qui est l'un de nos domaines de prédilection, l'un de nos domaines d'intervention. Alors, je ne peux pas vous faire le tour de ce que l'email marketing dans une seule et même vidéo, puisque c'est un domaine très large, hein, il y a énormément de choses à dire. Alors, dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur un point qui, je pense, et l'une des clés de la réussite d'une campagne d'email marketing, à savoir le fait d'avoir une bonne base de données. Alors, je sais qu'il y a une pratique qui consiste à acheter des emails, donc à des fournisseurs, acheter des bases de données chez des fournisseurs. Moi, c'est une pratique que je vous déconseille fortement pour deux raisons. Alors, la première, c'est que bien souvent, les fournisseurs de bases de données vous louent les bases de données et donc vous autorisent à les utiliser une seule fois ou deux fois. Alors, ça vous laisse bien entendu la tentation de les réutiliser encore et encore. Et pourquoi pas? Et voyez, ces fournisseurs ont une pratique que peu de gens connaissent, qui consiste à intégrer des emails pièges dans les bases de données. Alors, un email piège, typiquement, qu'est-ce que c'est? Le fournisseur qui ne veut pas que vous réutilisiez plusieurs fois sa base de données va créer une ou plusieurs boîtes mail et va introduire dans la base de données qu'il vous mettra à disposition un ou des emails qui renvoient vers cette boîte mail. Et de ce fait, quand vous allez bombarder plusieurs fois votre base de données, et bien votre fournisseur recevra vos emails, les emails que vous, enfin une partie des emails que vous destinez à vos clients. Et de ce fait, il saura que vous avez utilisé sa base de données plusieurs fois. Alors, il y a une autre problématique qui, je pense, est beaucoup plus grave quand vous achetez des bases de données. C'est que, bien souvent, elles sont extrêmement peu qualitatives. On voit bien souvent des annonces, hein, notamment sur des pages Facebook, sur des sites de petites annonces, avec des gens qui proposent de vous vendre des bases de données 10 000 emails pour 500 dirhams, des prix ridiculement faibles. Et bien souvent, effectivement, ces bases de données, systématiquement, hein, presque, sont de très mauvaise qualité. Autrement dit, elles sont composées donc d'emails de gens qui n'entrent pas dans votre cœur de cible, d'une part, et d'autre part, on a même beaucoup, beaucoup d'emails obsolètes. Et ce qui est important de savoir quand on fait de l'email marketing, c'est que chaque adresse email, donc la vôtre notamment, est liée à votre nom de domaine. Et les noms de domaine ont une réputation. Réputation qui varie entre 100 et 0. Alors, quand vous créez une boîte mail, la réputation de votre nom de domaine est à 100. Et au fur et à mesure que vous allez faire de fausses manipulations, de mauvaises manipulations, la réputation de votre nom de domaine va descendre progressivement pour se rapprocher de 0. Et là, mauvaise manipulation la plus courante qui nuit à la réputation de votre nom de domaine, excusez-moi, consiste justement à envoyer des emails de manière répétée sur des boîtes mail qui n'existent plus. Alors, nous, chez GHNGNC, donc nous fabriquons les bases de données que nous utilisons nous-mêmes. Je vous invite à faire de même. Alors pour ce faire, on va utiliser donc plusieurs services en ligne que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et je souhaite une bonne fin de journée à tous. C'était Johan de chez GH Agency.